l'idée de Madame Quesquès de faire cet arbre des rubans permettra à tout un chacun qui n'a pas pu venir aujourd'hui de venir dans les jours afficher son soutien. Et cet arbre, qu'on va appeler l'arbre de solidarité, va rester jusqu'à la fin de l'épidémie. La semaine dernière, M. Razi m'a parlé de cette rencontre, donc il m'a proposé, j'étais hyper content. Donc nous, notre relation avec la Chine, c'est une relation de fraternité, donc j'étais ému directement, j'ai dit oui, bien sûr qu'on va faire quelque chose, un petit geste de notre part. Ça ira aussi, donc tout le monde, MAV, Musicien Pontienne, Olive Zueli, donc tout le monde était content pour cette idée. On a déjà joué ce concert à Rome, au Sénat de Rome, le premier tour, et on va jouer juste un extrait aujourd'hui. Et depuis l'apparition de l'épidémie, la Chine a adopté des mesures complètes, strictes et rigoureuses qui ont donné des résultats positifs. Le 27 février, le nombre de nouveaux cas confirmés est passé du point culminant de 4000 cas à moins de 400 cas, soit une baisse de 90%. Si la Chine a réussi à réaliser des avancées dans sa lutte contre l'épidémie, nous ne pouvons toutefois ignorer que le risque de la propagation de l'épidémie reste réel dans le monde. L'épidémie n'a pas de frontières et ne distingue pas les nationalités. C'est l'ennemi commun de l'humanité.